tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, son, multimédia, ménager, les magasins de proximité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT des Sports d'ici. Au programme ce soir, le rallye Monte Carlo bien sûr, mais on aura également le trail blanc de Sercheux, du hockey, du football et bien sûr quelques résultats sportifs. Allez, on entame tout de suite cette énorme parenthèse qui est sur le rallye Monte Carlo. On est allé sur les reconnaissances ce samedi, trois spéciales au programme plus le shakedown, le reportage d'ici TV. Rallye Monte Carlo, acte 1. La première journée de reconnaissance des spéciales avait lieu ce samedi. Tous les équipages engagés sur le rallye sont donc partis au petit jour dans les contrées des Alpes du Sud. Les blousons rouges les accueillaient au départ des spéciales, flanqués d'un logo ACM, l'Automobile Club de Monaco. Écoutez Kiki Pascal, l'une des figures du sport auto dans le département, commissaire de course pour l'occasion. On contrôle tout le parcours de reconnaissance à chaque spécial, au départ et à l'arrivée. Il y a une équipe au départ qui fait partie de l'autosport du Laragnier aussi et de la ZAD des Alpes et une équipe à l'arrivée dont je fais partie. On essaye de suivre tout au moins s'il n'y a pas eu un problème là et surtout de contrôler qu'ils ne font uniquement que deux passages. Parce que deux passages autorisés seulement. Et au départ du shakedown, ils étaient peu nombreux, alors que le shakedown est le tracé le plus proche du parc d'assistance de Gap. Écoutez les impressions d'Arnaud Clavel de l'équipage 91, suivi de Jean-Noël Mondet de l'équipage 43. Il y a du serré, du rapide, du bosselet, donc du sale, du propre. Donc ça va représenter un peu le tracé de la course, quoi, du Monte-Carlo qu'on s'apprête à faire. Des pièges ? Un petit peu, là, ouais, il y a quelques bosses qui sont un peu piégeuses, mais... Bon, c'est le shakedown, donc on y va pour découvrir les pneus, comme on a les nouveaux pneus cette année. Donc ça nous servira pour une découverte de pneus, puis une mise en forme pour le lendemain. Ce matin, on voulait être au départ de la première spéciale à l'heure à 8h pour pouvoir rencontrer les conditions météo quand on aura le départ au départ. Par contre, ce matin, il faisait plus 3, ça fait que les plaques de givre, on ne les a pas vues, il y en avait 4, mais pas beaucoup. Il a fallu se déplacer du côté d'Orpierre pour finalement apercevoir le gros de la troupe. Les pilotes ont opté pour les conditions fraîches de la matinée qui seraient selon eux sensiblement équivalentes à celles du jour de la spéciale. C'est d'ailleurs à l'unanimité que les pilotes alpins reconnaissent que la spéciale d'Orpierre est la plus difficile de la journée. Dans celle d'Orpierre, il y a quand même beaucoup de glace par endroit et il va falloir faire très attention puisque pour le moment, si ça reste comme ça, il faudra rouler en slick et en slick sur la glace, ça adhère pas. Il y a du givre, mais comme ils annoncent du mauvais, ça, c'est pas mal, ça, c'est très bien même. Et s'il vient à faire un petit peu mauvais, il y aura de la neige, il y aura de la boue. Par contre, il y a pas mal de boue quand même à certains endroits. Mais bon, ça reste assez piégeux pour l'instant. On verra l'évolution du temps, quoi. Il faut attendre le changement de météo. Il y a la neige annoncée. Donc peut-être qu'on aura un terrain encore plus piégeux. Donc ça ne va pas être simple. À l'arrivée de la spéciale numéro 3, à l'entrée de la Borel, les pilotes reconnaissent que le col du Perti va être une spéciale très rapide. Écoutez Arnaud Dols de l'équipage 62. C'est très rapide, mais c'est quand même large. La montée est large, c'est joli. Moi, je la connaissais déjà parce qu'au Monte Carlo en 2000, elle y était déjà. Mais qui enchaînait avec le col Saint-Jean, donc elle faisait le double. Mais après, il y a un peu l'arrivée qui est technique et piégeuse. Mais sinon, le reste de la spéciale, c'est une très belle spéciale. Christophe Barnaud, engagé avec sa Renault Clio, est d'accord avec Renault. Ça va être chaud, selon lui. C'est extrêmement rapide. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'allonges à la montée. Après, même dans la descente, c'est très, très rapide. Des longs virages en aveugle en 5e, 6e. Donc c'est vrai que ça va être chaud. Quelques spectateurs se sont amassés pour guetter leur idole à l'entrée de la Borel. Bien évidemment, vous avez deviné laquelle était la plus attendue. Sébastien Ogier. Qu'on va suivre tout le long du rallye et ça va être un grand moment. Les plus patients ont récolté les autographes des grands de la discipline. Thierry Neuville, Yari-Matti Latvala, Dani Sordo et Martin Prokop. Les pilotes ont même pu bénéficier d'un petit verre de jus de pomme et de quelques madeleines. Pour Jérôme, l'un des amateurs de rallye posté sur le côté, c'est comme un second Noël. Je fais signer les gros pilotes et ceux qu'on connaît, qui sont en double versé, tout ça. Donc c'est prenant de les voir et de pouvoir s'approcher autant près d'eux.
en dehors du rallye et des spéciales. Le rallye continue bien évidemment toute la semaine dans les Alpes du Sud, entre les séances de reconnaissance, les animations dans le centre des Gap et les pilotes à côtoyer au parc d'assistance de Font-Rennes. Les aficionados de rallye ont de quoi faire. On continue avec la soirée de présentation de la voiture des frères Arnaud. Ils ont présenté leur nouvelle voiture ce vendredi soir au magasin de meubles Meubles de France, proche partenaire. Vous pouvez le voir, il y avait du monde pour venir la découvrir. Je vous propose d'écouter Christophe Arnaud, qui est pilote engagé bien sûr sur le rallye. La soirée pour les partenaires, bon, les amis aussi, tous les gens qui sont passionnés de rallye. Voilà. Et cette soirée-là est dédiée à ça. Voilà. Lundi, nous avons le passage du podium sur la place du Casino à Monaco. Après, on remonte à Gap. Et vraiment, le départ du rallye, ça sera jeudi. Bon, bien que mercredi, il y ait le check-down, la mise au point, une séance de mise au point, voilà, que nous ferons. Là, en tant qu'amateur, on a droit à deux passages. Pour nous, ça sera notre huitième participation au Monte Carlo. Bon, bien que la dernière, c'est il y a 10-12 ans. Quoi. Voilà. Donc, ça remonte à... Si tout se passe bien, on devrait tirer notre épingle du jeu. On espère bien être, on va dire, sur le devant, pas forcément sur le podium, mais parmi les personnes sur l'avant du rallye. Quoi. Présentation de la voiture également de la Citroën DS3 de l'équipage Dols Ayas. C'était au Petit Renard, cette auberge de l'Aille. Les Hauts Alpins vont prendre le départ, bien sûr, de la course au volant de leur voiture, toute relookée pour l'occasion, bien sûr, comme il est de coutume. Mais les deux sportifs n'ont pas oublié l'essentiel qui était ce week-end, à savoir aussi également ce lundi, c'est-à-dire les reconnaissances. Écoutez Jean-Pierre Ayas, le copilote qui, l'avoue, il va avoir du pain sur la planche. C'est vrai que je vais avoir un peu du travail, on va en avoir tous les deux, parce que je vais jamais écrire que ce qu'il va me dire. Donc on va travailler tous les deux, il va falloir écrire des pages et des pages. En course, quand ça va trop vite, des fois je ferme un peu les yeux. On va essayer de prendre les notes, on a changé notre façon de noter en plus. C'est vrai qu'on a essayé d'amener de la précision dans les notes pour que justement en deux passages de reconnaissance, on puisse pouvoir rouler assez facilement d'entrée. Quoi. Et puis le champion de France des rallyes en titre est venu faire un essai privé juste avant le rallye Monte Carlo. C'est Julien Morin, au volant de sa Ford Fiesta. Il a fait des essais privés sur la route des Santons, la route qui mène donc à la Bativieille. Cette année, il est engagé en championnat du monde dans la catégorie WRC2. C'est donc un pilote à suivre, un espoir français. Des essais privés quelques jours avant le départ pour coller au mieux aux conditions climatiques qui seront vraisemblablement identiques sur le rallye. On l'écoute. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de faire juste avant, comme ça on est prêt pour le rallye, donc voilà, faut pas faire d'erreur. Mais c'est là où c'est important. De toute façon, là, comme je l'ai dit, la trêve a été courte, il fallait réviser la voiture. Voilà, les fêtes au milieu, personne n'était trop par ici, donc voilà, et tout de suite là le Monte Carlo a avancé d'une semaine, donc ça a été un petit peu la course. Voilà. C'est aussi un petit peu pour ça qu'on a attendu le dernier moment, on va dire, pour voir un petit peu se rapprocher des conditions qu'on allait rencontrer. Bon, des fois la neige peut arriver au dernier moment, là ça n'a pas l'air le cas, donc vu qu'on fait des essais sur une route sèche, ensoleillée, on aimera des températures un peu plus clémentes. Ouais. On termine cette page Monte Carlo avec celui qui incarne le mieux le rallye dans les Alpes du Sud. C'est bien sûr Christian Dorsch. Christian Dorsch qui était dans nos studios cette semaine avec Jean-Marc Passeron. Son portrait. Christian Dorsch, voilà l'une des grandes gloires de l'automobile de notre région. Bah, grande gloire, ne serait-ce que par le nombre de participations à Monte Carlo. Alors, je vais sûrement me tromper, mais c'est une petite trentaine, non? Non, 26. Oui, c'est une petite trentaine. Petite trentaine. À la grande époque. Hein. À la grande époque. Alors, quand on pense Christian Dorsch, on pense rapidement tout de suite Monte Carlo, mais c'est avant tout le rallye sur terre qui a marqué votre parcours, peut-être, non? Ben disons que j'étais inné pour conduire sur la neige et vu que la neige a sorti du Monte Carlo où neige et glace, il n'y en avait plus, j'avais pris l'option d'aller rouler sur la terre parce que ça avait à peu près le même système de conduite et tout. Mon style de conduite qui m'appartenait bien spécifiquement. Voilà. Alors c'est vrai qu'après j'ai fait beaucoup de terre, mais c'est vrai qu'en championnat du monde et tout, sorti du Monte Carlo de la Suède, je le répète, beaucoup d'autres épreuves sont sur la terre. Et à l'époque, c'est vrai que voilà, après j'ai fait de la terre où j'étais vraiment amoureux parce que c'était la même conduite que avec moins de dérapages, moins important, mais il y avait toujours ce système de glisse. Voilà.
Alors, vous n'avez pas vraiment raccroché les gants, vous êtes toujours proche du sport automobile? Tout à fait, je m'occupe toujours un peu des essais, de certains, et puis j'ai, de temps en temps, je fais un rallye où j'ai l'opportunité de conduire une voiture qui m'est chère et qui est l'ami de piste, et que j'ai à charge de la mettre au point, et voilà. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire Sir Chevalier après le Monte Carlo. Alors, on vous sent dans un sentiment un peu... Un petit peu étrange par rapport à ce Monte Carlo ou à ces événements de sport auto. Vous êtes content, je le sais, que le Monte Carlo revienne ici. Mais votre caractère fait que, bizarrement, vous en restez un tout petit peu éloigné. Est-ce que c'est... Eh oui, parce qu'on a un pincement, on a la nostalgie. Et puis, quand on a... Ça a été toute une vie pour moi. Et quand je vois passer une voiture qui fait du bruit, systématiquement, j'ai un peu la chair de poule quand même, voilà. On va revenir sur quelques moments épiques de votre parcours dans le Monte Carlo. Bon, le plus facile d'abord, c'est vous êtes le premier à avoir fait le Monte Carlo sans clou, c'est ça? Tout à fait, oui. Les pneus contact sont partis de mon inspiration du Monte Carlo sans clou avec une 505, qui n'avait pas la spécificité de bien tenir sur la neige. Et ça a commencé, les pneus contact sont partis aux années 80, voilà. Ouais, j'ai été le seul à avoir fait Monte Carlo sans clou, alors que tout le monde avait les pneus à clou pour faire Monte Carlo à ce moment-là. Dans des conditions un peu compliquées, je crois. Hein. Compliquées, oui. Et puis, en plus, il y a eu beaucoup de neige. Et j'ai eu quelques petits problèmes, mais sans ces petits problèmes, à cause d'un concurrent qui m'avait gêné dans une épreuve chronométrique, qui m'avait fait perdre beaucoup de temps. Au sud, là-bas, avant le Turini, C'était dans Saint-Michel-les-Portes, voilà. J'ai perdu pratiquement 30 minutes, ce qui m'a relégué bien loin au classement. Sinon, je pense qu'on aurait pu terminer dans les 20 premiers. Chose qui aurait été fabuleuse. Comment vous regardez cette nouvelle génération, avec quand même cette chance que l'on a d'avoir un champion du monde des rallyes, du Champsaur, des Hautes-Alpes? C'est notre génération. J'ai tout le grand respect pour Seb, qui va devenir, juste sa carrière commence pour moi, il a tout l'avenir devant lui. Pour lui, c'est fabuleux de commencer par Monte Carlo et j'espère qu'il va gagner, quoi. Ce mardi et ce mercredi, vous serez, ou jeudi, vous serez à quel endroit, vous? Jeudi... La Gorelle, non? Au Perti? Non, je pense que je vais venir... Je vais pas au bord de la... Je viendrai au parc fermé ou au parc de... Toujours un peu cette distance. Hein, voilà, je suis un peu taciturne, c'est ma qualité et mon défaut, quand on peut parler... Et sachez que lundi, ce sont les trois dernières spéciales qui sont à l'ordre du jour des reconnaissances, la 11, la 12 et la 13. Mardi, les équipages engagés reviennent dans les Hautes-Alpes. Et mercredi, c'est à l'Alparena qu'il faudra être à partir de 17h pour assister à une course de kart électrique. Ça se passera sur la glace donc de l'Alparena pour tous les pilotes WRC engagés. Et à partir de 20h, ce sera votre tour. Allez, on passe maintenant au ski alpinisme et Matteo Jacquemous et Laetitia Roux qui sont devenus ce samedi à Auze lors des champions de France de la compétition de la discipline. C'était lors des championnats de France, c'était en ski alpinisme. Matteo Jacquemous s'est imposé avec 30 secondes d'avance sur Kilian Jornet et plus de 2 minutes sur le troisième Valentin Fèvre. Pour la championne du monde en titre Laetitia Roux, elle a donc mis une ligne en plus sur son CV déjà bien étoffé. Elle s'impose avec 6 minutes d'avance sur la seconde Émilie Forsberg et plus de 10 minutes sur la troisième Axel Mollaré. Voilà, on continue avec le trail blanc de Cercheux. C'est un trail qui fait 30 km et c'est Ludovic Pommeret qui s'est imposé en 2h05 et 6 secondes devant Franco Zanotti et Renaud Castiglioni. Chez les femmes, c'est Maud Gobert en 2h37 et 54 secondes qui l'a emporté. Sur la Guisanette, c'est un parcours de 12 km. C'est Julien Navarro qui l'a emporté également, 49 minutes et 30 secondes devant Clément Tomba et Corentin Salle. Chez les femmes, c'est Lisel Merello qui a fini en 1h01 minute et 14 secondes devant Nathalie Lapierre. Et je vous propose tout de suite d'écouter le vainqueur chez les hommes, Ludovic Pommeret. Comme un petit moment que je viens sur cette course, mais vraiment pour moi c'est une surprise cette année puisque voilà, j'avais très peu couru, mais c'est vrai que pendant les vacances j'ai fait beaucoup de ski de rando et je le sentais dans les montées, ça allait quand même pas mal. Mais sur le plat, bon, je pensais pas tenir et voilà, j'ai tenu donc. Satisfait quoi. On peut être que satisfait, hein, je peux pas. Mais en tout cas, l'organisation est toujours au top, l'accueil toujours sympa, donc c'est aussi pour ça que je reviens pratiquement chaque année depuis quelques temps. Donc voilà, félicitations encore à Patrick pour son organisation qui est toujours top.
et à signaler la petite blessure de Stéphane Ricard, vice-champion du monde de course en raquette, lors du Trail Blanc bien sûr. Il a mis un pied en dehors de la piste et sa jambe s'est enfoncée d'un mètre dans le sol. Alors avec l'écart causé par cette chute, il s'est fait une douleur à la cuisse, donc il a dû arrêter la course. Mais c'est une douleur sans gravité selon lui. On espère donc avoir de ses nouvelles cette semaine. Il en saura d'ailleurs plus à ce moment-là également pour lui. On continue avec du football et le rêve qui se prolonge pour les U19 de Gap, les jeunes Gapensés. C'est en Coupe Gambardella, c'était ce dimanche après-midi, c'était lors du 6e tour et ça se passait contre Vénissieux à domicile, donc pour les Gapensés. Ce dimanche après-midi, ils se sont imposés 2-1, direction le 7e tour. On vous informera bien entendu lors du tirage. On continue bien entendu avec du hockey et cette nouvelle défaite des Rapaces qui se sont inclinés ce week-end et également Brest qui s'est imposé. C'est donc ces deux informations à retenir, Gap qui s'incline et Brest qui s'impose. Les Gapensés ont perdu face au Gothique d'Amiens 3-2 et Gap est toujours dernier au classement avec 10 points. Alors que Brest, on en parlait au début, s'est imposé très très largement face à Caen 8-2 ce samedi soir. Les Brestois qui comptabilisent 12 points et toujours 13e au classement, donc une place juste au-dessus des Rapaces. Ça commence à devenir un peu compliqué pour les Rapaces de Gap, pour le maintien en Magnus en cette saison. Briançon n'a pas joué, alors les prochaines rencontres, c'est à domicile pour les deux clubs. Gap reçoit Brest mardi à 20h30 à l'Alparena, ça va être une rencontre explosive. Et à la même heure, à René Froger, Briançon reçoit Chamonix. On continue avec quelques résultats sportifs sur le championnat départemental de cross qui a eu lieu à Vennes ce week-end. C'est Benjamin Bordet qui s'est imposé sur le parcours long chez les seniors hommes et chez les féminines. C'est Laetitia Barbanelli sur le parcours long également féminin. Handball National 3, décidément, les féminines de Gap ont bien du mal à entamer cette reprise puisqu'elles se sont lourdement inclinées 18-28 ce samedi soir au gymnase La Faille de Gap. Contre Port-de-Bouc, les féminines se classent avant-dernière de la poule. Rugby également, encore une défaite et toujours pas de victoire, si on peut dire, en championnat honneur pour les rugbyman Gapensés. Ils se sont inclinés à Bagnols-Marcoule, 13-6. C'est donc une reprise inquiétante pour les rugbyman Gapensés. Cette année, ça risque de devenir aussi compliqué pour eux en championnat honneur. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité sportive d'ici. N'oubliez pas cette semaine de laisser votre téléviseur allumé sur le canal 31. Vous pourrez suivre toutes les informations qu'on aura à vous faire parvenir sur le rallye Monte Carlo. Et on a de très très belles surprises bien sûr à vous réserver. Restez avec nous sur DC TV. Tout le sport d'ici avec Brico Pro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, sons, multimédia ménagers, les magasins de proximité.